les plus rentables du monde. D'une main de fer, elle forge une voie vers la tyrannie et l'exploitation, soufflant sur les braises du combat pour la suprématie. Venue de l'océan Indien, un flot de produits exotiques nourrit de nouvelles addictions et remplit les coffres de pièces souillées de sang. Et là où le sang coule, les prédateurs affluent.
Le destin vous a joué un tour. La chance de Freeman doit être de votre côté. La chance? Où diable les Anglais et le brouillard? C'est la faute du... Nous avons su... Il y a une ardeur dans votre regard. J'ai déjà vu... Pour eux... Voilà. Plus que par l'encre et le parchemin... Rendez-vous. Le vent, quelqu'un doit connaître... Devant! Le destin nous lance un filin! On peut trouver de l'aide pour quitter cet endroit! Sale bête! Peut-être regardez. Et où étiez-vous? Mais si nous retournons, récupérez. Cette bande d'ivrognes.
L'officier serait incapable de guider un poisson dans la mer. Si ce crétin connaît le chemin de Sainte-Anne, il nous faut la cargaison de Skurlup. On peut pêcher ces poissons pour manger. Vous devez frapper vite! Attention à ses dents! Approche, sale bête! Attention à ses dents! Beau travail. Je crois qu'on en a assez. Mieux vaut salir sa culotte que mourir en mer! Connaître le chemin de Sainte-Anne. La cargaison de Skurlup d'abord. Merci pour les marchandises. Quand je... Demandez... Toujours en vie, Radical. Pas pour longtemps. Si cette vermine dit que Rassler a peut-être la carte menant à Sainte-Anne, il faut fouiller son épave. L'horizon de Sainte-Anne recèle peut-être l'aube en laquelle je place mes espoirs. Espérons que les pirates ne vous poignardent pas dans le dos avant!
l'agence de Freeman. Vous avez le King ou juste la cargaison jusqu'à Rassler. Capitaine. On quitte enfin ces saletés d'atoll. La chance vous sourit, Capitaine. Quelque chose me dit que tout va bien se passer. Je vais peut-être rester encore quelque temps. Imaginez ce que nous pourrons accomplir ensemble, Capitaine. Bâtir une flotte puissante. Cramponnez-vous ! Ah, cette odeur de sel, d'épices et de pêcher, Capitaine. L'océan Indien recèle bien des secrets et des mystères. Le repère de contrebande de Sainte-Anne est l'un de ses joyaux cachés. Quels que soient les besoins d'un pirate, cet en... L'endroit peut y répondre. Sainte-Anne est le lieu où la chance se transforme en fortune, l'ami. Scurlock peut nous mettre le pied à l'étrier. Cette lettre prouve que vous n'êtes pas un pirate d'eau douce. Et ne me regardez pas comme ça. C'est vous le mieux placé pour convaincre Scurlock. Moi ? Aïe. Le passé est le passé.
Nous n'avons pas besoin de la loyauté de Skurlock pour accroître notre réputation, seulement de ses relations. Un bon navire ne serait pas de trop, sauf si vous tenez à ce point à votre boutre. Je vais rester près du navire pendant que vous serez à terre. Ne faites pas attention aux poissons de fond, Captain. Rappelez-vous que nous n'obéissons qu'au vent du destin. Celui-là fera pas long feu, une brindille qui aura tôt fait de se briser. De se briser? Cette carcasse tombe en morceaux. Et elle pue la pisse de baleine. Qu'est-ce qu'il avait de si extraordinaire, ce navire? Tu ne sais pas, c'était... chouette. Imagine, tous ces diamants qui sont... pour finir au fond de l'eau. Ce plat est merveilleux. Pourquoi travailler aussi dur, après tout, pour se faire voler par un membre du clan de Pharaon? Ah, ce qu'on raconte, il paraît que c'est avec une cale pleine de rhum et un bourreau de capitaine. Les plantes de l'île Rouge n'ont pas d'équivalent ailleurs dans le monde. Regarde ça, pathétique. Ah, j'ai l'appétit coupé. C'est à cause de l'odeur. J'espère que vous avez un plus gros navire, Capitaine. Ah, j'ai la petite. Ce quai commence à être envahi par les points. J'aurais bien une autre tournée. Ça, je m'en doute. Je me moque de cette foutue possible.